first car, it was 1991. C'était avec un film de fin d'études de jeu. Je venais de Moscou et j'étais jamais venu à Cannes. Donc, je me rappelle même que j'ai pris une chapka, mais c'était le mois de mai. C'était pour moi surréaliste, tomber de Moscou dans un univers comme ça. Et je me rappelle très bien que j'ai été invité pour monter les marches, pas avec mon film, bien évidemment. Et je n'avais pas de nœud papillon. Et c'est le serveur de mon petit hôtel Ibis, qui était derrière la gare, qui m'a proposé un nœud papillon. Il n'est pas venu, j'étais arrêté, je suis monté. Et quand je suis monté juste là-haut, on m'a dit que je ne peux pas rentrer. Et donc pour Cannes, pour moi, je suis redescendu les marches. Et les gens ont applaudi quand je redescendais. Je trouve ça formidable qu'on t'applaudisse quand tu descends les marches. C'est un film que je n'ai pas aimé et c'était Soleil Trompeur. Ah, et j'ai vu ça, je dis, celui-là, il triche. Et j'ai pas aimé. Je n'étais pas bien fait. Je devais aller voir un film et j'attendais une voiture. Elle n'est pas venue. C'était la projection de mon film, En attendant le bonheur. Et c'était légal. J'étais avec ma femme, on était loin. Dans un hôtel, il fallait y aller, la voiture n'est pas venue et on a commencé à courir et mes chaussures me serraient beaucoup. Et donc j'ai couru, j'avais le bougou aussi africain, ce n'est pas évident. Et là je suis arrivé, il y avait 10 minutes de retard, complètement angoissé. Et je suis monté sur scène et je devais faire semblant comme si tout allait bien et moi j'avais mal aux pieds. Et ça je n'oublierai jamais. Ce qui est magique à Cannes, des fois c'est très facile de dire que Cannes c'est ça, c'est pas intéressant. Et je pense que quand on le dit, on veut être intéressant. Sinon, je crois que c'est un lieu extraordinaire parce que c'est un lieu d'une diversité impressionnante pour moi, de la rencontre avec toi. Je peux te rencontrer à Cannes, c'est quand même pas rien. Et donc je dis Cannes, c'est vraiment la notion de la grande famille du cinéma qui se rencontre. Avec un beau soleil. Et là, on est bien. Je crois que ça, c'est le plus important. Que être assis, quand on est jeune, avec un premier film, dans un salon avec Scorsese ou un autre cinéaste, c'est quelque chose de fondamental et d'extrêmement important pour un jeune cinéaste. Moi, quand c'est ça.